Salut tout le monde! Aujourd'hui, pour le vlog Simber, on explore encore un peu des choses dans ma vie. Donc, aujourd'hui, on va explorer ensemble mon cahier de musique. Il est à peu près épais comme ça. Puis ça, c'est un cahier que je traîne toujours sur moi. Donc, la première chose qu'il y a dedans, c'est Dozen a Day. Ça, c'est un livre avec des exercices pour le piano, des trucs. Pour pratiquer les doigtés, l'habileté des doigts, puis pour pratiquer pas mal n'importe où, bref, n'importe quoi, parce qu'il y a vraiment de tout là-dedans. Puis ça, c'est toutes les collections qu'il y a dans le même truc, puis j'en ai demandé un à Noël. Fait que je vais en avoir un autre. Ça, c'est mon livre de flûte du secondaire. Donc, des fois, je joue des petits trucs là-dedans, j'essaie de me dérouiller, de redevenir aussi bonne que je l'étais dans le temps. Bon, là, après ça, on a le premier onglet qui est vide. Puis, dans le premier onglet, qu'il y a quelque chose. Ça, c'est mes trucs de guitare. Dans le fond, mes exercices, les cordes, les notes qu'il y a dessus, les accords. C'est ça. Après ça, j'ai les gammes. Ah, pis ça, c'est mes petites tunes que je fais en ce moment. Puis c'est ça. Ben, vu que ça fait pas longtemps que je fais de la guitare, ben, c'est pas mal tout. Les flûtes traversières. Il y a tous mes trucs secondaires, les tunes que je joue au secondaire. Puis c'est ça. Je vous montrerai pas toutes les partitions, là, parce que c'est quand même intense. Puis après ça. J'ai mon onglet piano, là, j'ai tous mes petits exercices, là. Ici, c'est les arpèges, les petites tunes que je joue en ce moment. Fait que c'est ça. Ah, puis ici, j'ai des idées de jeux que je trouve sur Internet, puis dans des livres, puis dans ma tête aussi pour les cours d'éveil musical. J'en ai quand même beaucoup, là, j'ai beaucoup de pages. Puis c'est ça qui conclut ma petite cahier de musique. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Puis on se reparle demain. Bye bye!